C'est une opportunité pour moi d'avoir le prix Ellipse cette année. Au pays, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, sur l'art de la performance pour son évolution. La plus grande retombée, c'est pour que cet art puisse avoir plus d'évolution au Togo. L'exposition s'appelle « Souvenir de mon corps ». C'est un projet de trois types. Il y a la photo, il y a la vidéo, il y a la performance en live. « Souvenir de mon corps », ça parle de beaucoup de thématiques. Ça parle de l'environnement, ça parle de la sécurité, ça parle de l'identité culturelle, ça parle de l'immigration, ça parle des droits de l'homme, ça parle des droits de la femme. La performance qu'on vient de suivre, ça s'appelle « Yeux voilés, la parole libérée ». C'est une performance d'abord dédiée aux victimes de viol, de l'attouchement, de violation sur les femmes. Pour moi, cette performance est un rituel où je dénonce cette violation portée sur la gente féminine. Dans ma performance, j'utilise des sous-vêtements, j'utilise du grillage, je fais appel à la conscience de ces personnes et aussi j'interpelle les victimes à sortir de leur boîte, à parler, à dénoncer. Parce que plus qu'il y a une dénonciation, plus qu'il y aura prise de conscience et plus qu'il y aura ce phénomène qui sera arrêté. Parce que je le dis toujours, dans chaque jour, il y a cette violation de droits de cette femme quelque part dans le monde. Le festival MMBA, c'est la 5e édition. Cette année, nous avons décidé de mettre en place une école, un espace de rencontre, d'échange et de formation alternative sur l'art de la performance. L'objectif principal, c'est de ramener l'art de la performance vers la population, de leur montrer ce que l'art de la performance peut apporter dans le développement social et culturel aussi. Il y a beaucoup de personnes au pays qui ne croient pas à cet art, mais ça fait 8 ans que je le fais. Aujourd'hui, moi, j'y crois. C'est pour ça que je suis ici. Et s'il y a un espace qui va donner des livres, des bouquins, des vidéos, d'expérimentation aux artistes, ça leur permettra de leur donner encore plus de chances. Ça permettra aussi des galeries, des directeurs, des programmateurs de tourner un regard vers le Togo aussi en catégorie d'art de la performance. C'est pour cela qu'il y a le festival et c'est pour cela que bientôt on va se battre aussi pour construire cette première école d'art de la performance en Afrique et au Togo.